Elles n'entretiennent pas une relation mère-fille comme on l'imagine. En juillet dernier, Charlotte Gainsbourg présentait à Cannes Jane par Charlotte, un documentaire consacré à Jane Birkin, après l'avoir filmée durant 3 ans dans son quotidien, lors de ses déplacements, et ce, pour que le public en sache davantage sur la chanteuse et actrice britannique, rendue en partie populaire entre autres pour avoir partagé la vie de Serge Gainsbourg pendant plusieurs années. De cet amour est née Charlotte, aujourd'hui comédienne, réalisatrice et chanteuse à ses heures perdues, avec qui les relations n'ont pas toujours des plus évidentes pour Jane Birkin, toujours en deuil de sa première fille, Kate. Si elles apparaissent régulièrement complices, notamment sur le tapis rouge, si est-il bien la pudeur qui règne en maître mot dans cette relation mère-fille, où le je t'aime n'a que peu de place. En fait, on se dit je t'aime à des moments critiques. Elle a eu très peur quand j'ai eu un accident au cerveau, et du coup, si est-il dans ces moments-là qu'il y a des déclarations, a ainsi confié Charlotte Gainsbourg dans 7 à 8, dimanche 2 décembre, précisant que dans sa famille, on a une facilité à se faire des déclarations par le biais d'une caméra ou d'un micro. Avec mon père, c'était un micro et avec ma mère, moi en tout cas, si est-il avec une caméra, a-t-elle confié. Ce que regrette Charlotte Gainsbourg vis-à-vis de sa mère avec un père très pudique, à qui elle ne disait pas je t'aime et ne faisait pas non plus ce qu'on appelle un câlin, et une mère d'une culture anglaise plutôt bourgeoise, Charlotte Gainsbourg a reçu très tôt en éducation la pudeur des sentiments où on ne se dit pas ce genre de choses. Ce qui n'a toutefois pas empêché Jane Birkin de penser que seul Serge Gainsbourg comptait aux yeux de leur fille unique, alors que père et fille partageaient une relation très forte. Je pense que j'ai tellement parlé de mon père, parce qu'il me manquait tellement. Je ne lui témoignais pas grand-chose peut-être. A ainsi regretté la comédienne, qui s'est toutefois rapprochée de sa mère durant le tournage de son documentaire. C'était génial. On s'est amusé. J'ai eu envie d'un moment privilégié, que j'ai eu. Il n'y a pas eu beaucoup de tendresse dans le passé, parce que ce n'est pas notre code. Mais aujourd'hui, moi, j'en ai besoin. Donc je le réclame et j'ai moins d'inhibition à le témoigner aussi, a-t-elle conclu. Loading DJ.